Hey, salut à tous les amis, c'est Kélian, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, ça va être une vidéo spéciale. Donc on va commencer la série des emojis. Et oui, donc cet emoji, bien sûr, ça va être comment dessiner l'emoji Galaxy. C'est un emoji très difficile, si vous me dites dans les commentaires si je l'ai bien fait. Parce que ça va être quand même un tout petit test. Voilà, vu que j'ai pas de feutre alcool et tout ça, bah ça va un peu m'embêter. Alors essayez de mettre quand même le maximum de likes. Voilà. Donc pour cet emoji, déjà il vous faut un compas. Feutre noir. Bleu. Un bleu cyan comme ça. Bleu clair. Violet. Rose. Du rose. Du rose un peu foncé. Du bleu foncé. Et du beige. Ok, on fait plein de couleurs. Et là, en fait, c'est un effaceur, mais c'est pour faire des petits points, tu vois, ou des petits points. Comme ça, comme le Skin Galaxy. Voilà. Donc, alors, déjà, on va commencer par faire le rond. Le rond, quand je dis le rond, c'est faire sa tête. Juste, attendez. Voilà. C'est normal, juste prendre un peu de temps parce que en fait, comment dire, ça conne la caméra et voilà, vous voyez pas très bien le rond, mais voilà. Donc ensuite je vais prendre mon crayon, voilà. Mon crayon. Ok. Donc déjà, on va commencer par faire le contour. Ok, si vous entendez des petits bruits, c'est normal parce que dehors, il y a de la tempête chez moi. Voilà. Donc là, on va commencer par faire un contour. Ensuite, vous allez prendre votre règle et juste attendez, je vais juste prendre mon crayon. Je vais juste chercher mon crayon une seconde. Donc je disais, il fallait faire juste un petit trait. Parce qu'en fait, comment dire, ce crayon, on voit pas bien. Et c'est pas le but que vous voyez pas. Voilà, donc je disais, vous tirez un tour en trait. Et après, vous allez tirer deux traits comme ça. Pour y placer les yeux. Voilà. Voilà. Après avoir fait ça, vous faites le nez. Bon, en fait, je vais juste vous prévenir, cette vidéo va durer un petit peu longtemps. Oula, une sacrée tempête dehors. C'est un truc de dingue. Voilà, je sais pas si vous entendez, mais voilà. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez les tempêtes. Quand il y a ça chez vous, ça fait vraiment flipper. Moi, j'aime pas. Je sais pas, c'est... Moi, j'aime pas quand je vois ça. Voilà. Après, on fait ça. Et là, on vous tire un genre de trait. Voilà. Ensuite... qu'est-ce qu'il fallait faire encore? Vous faites ça. Vous faites un genre de trait comme ça. Et là, tirer un autre trait.
Voilà. Et ensuite, on va faire les cheveux. Voilà. Donc ça va ressembler à ça. Après ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et voilà. Donc là, on a déjà la tête du Skin Galaxy. Voilà. Après avoir fait ça, là, vous allez faire un genre de rond. Comme ça. Un rond. Jusqu'au trait. Après, vous allez faire ça. Et là, vous faites un autre trait, mais comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, vous faites bien sûr la même chose. Voilà. Voilà. Donc après, ça va vous donner ça. Après avoir fait ça, on fait ça. Voilà, on fait ça. Pour faire les cheveux comme ça. Juste non, les cheveux sont vraiment pas comme ça normalement. Normalement, ces cheveux ils sont un peu. Je me suis juste trompée. Voilà, comme ça. Et là, ces cheveux normalement ils doivent être comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, là, vous allez dessiner le genre de votre contour. Voilà, comme ça, bien sûr. Et là, vous étirez un trait, un autre trait, un trait et un autre trait. Voilà. Donc, bien sûr, on a la tête du Skin Galaxy. Wow, on a une sacrée tempête là, chez nous, là, chez moi, là. Voilà. Et là, bien sûr, vous allez tirer un trait de chaque côté, comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà sa tête. Bien sûr. Voilà. Maintenant, vous allez prendre votre feutre, et on va commencer à faire les contours. Alors, bien qu'on commence, je vais commencer par les cheveux, par l'oreille, voilà. Et là. Tiens, on va commencer à faire les contours. D'accord. Ça. Voilà. OK. Voilà. Et ensuite, en fait, vous allez faire tout en noir sauf le certains traits qu'on va gommer, bien sûr. Juste, j'ai oublié où fallait rajouter les traits. Voilà. Voilà, donc là, on a déjà la tête du Galaxy. Et là, vous gommez. Bien sûr, on gomme. Pour pas trop voir les traits. Parce que sinon, ça fait pas beau. Désolé pour le. Quand j'ai soufflé, mais bon, faut bien faire partir tout ça. Voilà. Donc, on va commencer par le beige, par ses cheveux. Voilà, faut juste rajouter ça. Parce que normalement, ça doit être sa barbe, comme ça. Voilà. C'est mieux comme ça. Donc, je lui disais, on va commencer par ses cheveux. En beige. Voilà. Et sa barbe aussi, là. Ensuite, là, on va faire sa barbe. Voilà.
Et là, on va commencer l'autre côté. Là, on va faire ses cheveux. Ici, on va faire sa genre petite mèche là. Les cheveux. Donc en fait, vous avez remarqué, il ressemble un peu à au un skin. Ah non, je m'en souviens plus. Ouais. En tout cas, il ressemble juste à un skin. Je pense que vous connaissez John Wick. Voilà. Voilà, il ressemble un peu à ce personnage-là, ce créateur de film. Voilà. Je trouve qu'il ressemble un peu. Donc voilà. On a déjà fait ça. Maintenant, on va prendre ce bleu-là. Voilà. Et on va faire ses yeux. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Tant pis. Ensuite, vous allez prendre votre violet et vous allez dessiner tout ce qui est en bas là en violet. Voilà. Là, vous allez faire un genre de trait limite comme ça. Voilà, comme ça. Et là aussi, comme ça. Et là, vous dessinez tout en violet. Voilà. Après avoir fait ça, vous allez prendre le rose. On va plutôt prendre le rose clair. Et on va dessiner tout ce qu'il y a de ce côté-là. Voilà. Non, je vais repasser juste dans les petites traits. Voilà. Juste attendez, voilà. J'essaie de mieux dessiner possible parce que, comment dire, mon rose il est un peu cassé, vous voyez. Voilà, on va juste prendre, on va prendre d'autres roses. Voilà. Hop là. Plus de traces. Voilà. Après avoir fait ça, vous allez prendre votre bleu clair et vous allez dessiner, vous allez faire de nouveau un trait limite jusque là. Voilà. Et là, vous allez dessiner comme ça. Voilà, comme ça. Et maintenant, vous allez prendre votre bleu foncé. Et vous allez aussi vous faire un trait de limite. Voilà. Waouh, j'aime bien ça. Après, vous allez prendre votre rose. Voilà, vous allez dessiner ce cas là. Là, je vais aussi mettre du rose. Voilà, comme ça.
Et pour les oreilles, vous allez aussi mettre du rose là de chaque côté. Voilà. Et c'est pas terminé, hein. Vous allez prendre votre beige et vous allez dessiner là ce qu'il y a là-dedans. Et bien sûr, pour terminer la vidéo, vous allez prendre ce que je vous ai conseillé, du Tipex, pour faire les petits points du Tipex qui fait des points. Voilà, juste le secouer. Voilà. Qui fait des points. Voilà. Ah là, il fait des points. On en fait un peu partout. Il n'y a pas un peu partout parce que il y a des endroits où il ne faut pas en mettre. Voilà. Ensuite, là aussi, voilà. Dans le bleu foncé aussi. Dans le rose aussi, on va mettre 3 points comme ça. Là en bas aussi. Là aussi. Et bien sûr, un peu dans le bleu. Et voilà. Donc, bien sûr, je vais vous dire une bonne nouvelle. La vidéo est finie. Voilà. Donc, à quoi il ressemble mon tout premier emoji. Donc, c'est bien sûr le skin Galaxy. Vous me direz dans les commentaires si c'est vraiment bien. Donc, j'ai pas utilisé de feutre alcool. Voilà. Bon, je trouve qu'il est vraiment pas mal pour la première fois que j'ai fait des emojis en vidéo comme ça. Donc, je voulais vous dire, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mettez un like si la vidéo vous a plu. Et si vous n'êtes bien sûr pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien, voilà. Mettez un énorme pouce bleu. Pour que la chaîne s'améliore de plus en plus. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas la petite cloche des notifications. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut !